fatiguée, elle est passée par les toilettes et s'est vite jetée sur ma couette. Et là je sais pas si ma fille, qu'est-ce qu'il m'a pris. Une grosse bête est apparue, j'ai pas bien vu sans mes lunettes. J'ai allumé la lumière, j'ai dû boire beaucoup trop de bière. Elle était drôlement vécue, ça met en valeur son bitu. Je l'ai piqué pour savoir si c'était pas un rêve. Elle m'a plaqué au matin et m'a dit vas-y surprends-moi. Elle m'a fait tourner la tête. Et là je sais pas si ma fille, qui m'a pris. Une grosse chose bête est apparue, j'ai laissé place à ma caissette. J'étais parti à la fête, à la recherche d'un plan fête. Visiblement où elle est aussi, car ça c'est fini ma folie. C'est des sales, c'est spécial, on est un peu trop brutal. Quand elle a sorti sa ceinture, j'ai dit salut à tout allure. Let's go.
Yeah.
Jack in California.
Comment est-ce pour vous, bande de petits Américains? Hein, qui c'est qui a les bouffées du matelot ici? Ouais, parce que nous, on est pas le coquin, on revendique. Le matelot, c'est pas bon. Dis-là, Cheer America. Yeah.
beaucoup les petits Jeuniens. Yeah.
en prend pour un mec d'Amiens. Ça, il s'appelle Patrick, il est d'Amiens. C'est pas drôle, franchement. Patrick, mais d'Amiens, sa mère. We'll be right back.
venu, on va laisser la place à Thierry Lapoubelle. Et on est quoi, c'est sur ce puissant capitaine du monde, le Bif de France. On a mis tous les gens qui ont aimé cette musique qui fait de ce soir à venir le Bif de France à Sens. Yeah.
merci. Eh, hey. Hey, bande de bougeux. Escargot, liberté aux escargots, liberté. C'est un combat, c'est un combat que je respecte. Liberté aux escargots, vous parlez. Vous êtes vraiment en train de chanter ça pendant que Paul enlève son pantalon. J'aurais pas très bien pris. Ok, eh, ça tombe bien que vous soyez... Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Allô, l'escargot? Allô? Oh, il est trop tard, il est trop tard, Phil. Est-ce que quelqu'un ici, est-ce que quelqu'un ce soir connaît la différence entre le chauvinisme et le patriotisme? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a tous mis le doigt sur une espèce de saloperie régionaliste pas terrible. La prochaine chanson, c'est pour tous ceux qui en ont rien à foutre de là où ils sont nés. C'est pour tous ceux qui en ont rien à foutre de là où ils habitent. C'est pour tous ceux qui en ont rien à foutre de la couleur de la peau de leurs potes et de ceux qui sont pas leurs potes. C'est une chanson pour ceux qui en ont rien à foutre du sexe de la personne à qui ils s'adressent. Yeah.
Thank you.
Tu vas t'asseoir dans un coin, puis t'arrêtes de faire chier tout le monde, et puis ça va être cool. Et 1, et 2, et 3, 0! We'll be right back.
Merci. Le concert est gratuit, allez bien vous faire foutre avec vos redevances d'artistes, avec vos ayants droit, avec tout ce que ça l'appréciable. On se bat pour ce genre de démarche depuis 15 ans. C'est vraiment cool que ça se passe comme ça encore aujourd'hui, dans des endroits comme ce soir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous et merci d'être venus. Tout ça, c'est pas à propos d'argent, c'est pas à propos de droits d'auteur, de saloperies comme ça, c'est vraiment à propos de cœur, de passion, de politique et de choses plus importantes. Merci beaucoup de faire partie de ça ce soir avec nous. We'll be right back.
les accords. Assez, vécu, passé. We'll be right back.
est un chien de l'enfer. Au bazar. We'll be right back.
Noël, merci beaucoup. Bon, si j'ai bien compris, on doit en faire une autre. D'accord, d'accord. Il y a un mec, il vient de me faire la morale en me disant de faire la teuf. T'as rien compris à la teuf, mec. Le problème de la teuf, c'est qu'il faut pas faire la morale aux gens. Allez, la prochaine chanson, je sais pas ce que c'est. Vous êtes chaud pour la teuf. La chenille. Cool, parce que moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller dormir, sérieusement. Ouais, j'avoue. Jean-Michel batteur à la batterie. Est-ce que vous préférez Shake It Off ou 22? La plus dure, celle qui va vite.
vont faire pipi dehors. Alors, c'est la première fois que je vais faire ça de ma vie. Mais on va... En fait, on va passer un deal, toi et moi. Quand je dis toi, c'est le public. Hein. En fait, il y a nos amis... nos amis qui tiennent ce bar. En fait, on va faire... On va faire un truc, c'est qu'on va arrêter de faire pipi dehors et on va arrêter de marcher sur la route. Parce que sinon ça va créer des problèmes à cet endroit et il n'y aura plus de concert ici et ça c'est vraiment de la merde. Parce que moi je m'en fous, je viens une fois dans ma vie. Vous, c'est un bar qui est dans votre ville où vous pouvez venir toutes les semaines. C'est vraiment de la merde s'il ne peut plus y avoir de concert dans un endroit comme ce soir, ok? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire en sorte pour que nos amis moustachus avec l'accent du sud habillés en bleu ne créent pas de problème à cet endroit. On va jouer une autre chanson et on va faire en sorte que tout se passe bien dehors. Pipi à l'intérieur. Et... Ok, c'est cool. On essaie de faire qu'un lieu comme ça, comme ici, ça dure toute la vie. Putain. Pourquoi j'ai dit putain ? Allez, on va faire une chanson qui parle à un moment donné de la chanson d'une certaine partie de l'administration française qu'il faudrait noyer dans un fleuve, par exemple, le plus proche de chez vous. We'll be right back.
Je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous. Mais moi, je m'en vais. Merci.